Franchement, cette musique-là me fera toujours un effet de ouf. Elle est calme, elle est relaxante. Elle annonce déjà un jeu qui promet d'être énorme, un jeu qui promet d'être épique, un jeu qui promet d'être riche en émotions. Elle annonce Kingdom Hearts. Rien que ça. Salut à toutes et à tous, c'est Kizae, et aujourd'hui, je vous retrouve non pas pour un bonus spécial sur Kingdom Hearts, mais pour, comme vous pouvez le lire sur le titre de la vidéo, la vidéo test de Kingdom Hearts, premier du nom. Eh oui, la vidéo test. Alors, avant de passer vraiment au test, je tiens déjà à dire quelque chose hein, de très clair. Celles et ceux qui viennent déjà avec l'idée en tête de critiquer ouais, c'est Disney, bouh, c'est de la merde, il y a Disney, Mickey, Donald, Dingo, trollolol, trollolol. Tirez-vous tout de suite. Tirez-vous tout de suite parce que vous ne comprenez pas la valeur et la richesse de ce jeu. Donc ceux qui viennent déjà avec cette idée en tête, vous pouvez aller vous faire foutre et vous tirer immédiatement. Merci. Donc voilà, on se retrouve pour le test de Kingdom Hearts, premier du nom. Je veux pas vous cacher que ça fait un bon moment que j'avais envie de faire un test dessus. Surtout, j'avais envie de le faire après le test de Live Alive. Mais bon, j'avais pas trop le temps parce que le boulot avait repris et tout. Mais aujourd'hui, bah, c'est mon jour de congé. De plus, je suis tout seul chez moi pendant 3 semaines parce que mes parents sont partis en vacances. Donc je suis tout seul, je peux tourner tout seul. Je peux même gueuler si j'en ai envie, que ça ne dérangerait pas. Et voilà, donc Kingdom Hearts, qu'est-ce que c'est? C'est un action RPG développé par Squaresoft, édité par Squaresoft aussi normalement, oui. Et c'est sorti sur la PlayStation 2 en 2002, c'était le 22 novembre 2002, je crois. Donc oui, ça fait déjà 11 ans que la série existe. Et actuellement, il y a combien d'épisodes? Il y a le Cache 2, il y a le Chain of Memories que je suis en train de faire. Il y a le Cache 1, Chain of Memories ça fait 2, Cache 2 ça fait 3. Il y a Days 4, Birth by Sleep 5, Coded 6 et 3D 7. Et il y a le Kingdom Hearts 3 qui va sortir en 2014-15 normalement sur la PS4. Voilà. On va donc, on va pas traîner plus longtemps que ça. On va. Alors, j'ai déjà à peu près une idée de ce que je veux vous montrer. Bon, malheureusement, il va y avoir des spoilers. Enfin, il y aura du spoil. Bon, spoil, oui, oui et non pour le spoil, parce qu'il y aura du spoil au niveau des mondes pour ceux qui n'ont jamais fait les mondes, mais au niveau du scénario, il n'y aura pas de spoil. Bon, je vous dirai quand même le scénario de base, mais autrement, il n'y aura pas de spoil. J'ai déjà à peu près, j'ai déjà, alors à peu près, je sais plus ou moins ce que je veux vous montrer durant ce test. Notamment là, on va surtout faire le début. On va surtout faire le début de jeu. Enfin, pas tout, hein, mais un peu le début. Parce qu'il y a pas mal de choses à expliquer dès le début. Et c'est justement au début qu'il y a beaucoup de choses qui vont être déterminantes pour la suite du jeu. Donc, sans plus attendre, on va se lancer. Hop, une nouvelle partie. Non, pas en expert. Non. En normal, s'il te plaît. Vibration, vas-y, soyons fous. C'est parti. Bon, par contre, pour la musique d'introduction, je ne sais pas, je ne pense pas qu'ils vont me la laisser. Donc, à moins que je prenne une sorte de remix ou je sais pas ce que je vais en faire. Au pire, je coupe, hein. De toute façon, si vous voulez voir le let's play, il est sur ma chaîne. Il est sur ma chaîne, pour celles et ceux que ça intéresse, le let's play, il est sur ma chaîne. Donc bon. Alors, déjà d'emblée, ce que j'avais aimé sur Kingdom Hearts. Bon, comme vous le savez, ceux qui me suivent depuis un moment maintenant savent que le premier épisode par lequel j'ai commencé la série n'est pas le Kingdom Hearts 1 que je vous teste maintenant, mais c'est le Kingdom Hearts Chain of Memories, celui que je suis en train de faire en let's play actuellement.
Alors, je vais me répéter encore pour la énième fois pour ceux qui n'ont, bah, qui ne m'ont pas connu ou qui ne savaient pas. Il se trouve qu'en fait, les Kingdom Hearts, au début, j'avais vu dans un magazine le, bah, l'annonce, enfin, on va dire le petit, ouais, l'annonce test, on va dire. En plus, c'était dans un magazine télé. Donc, pour vous dire déjà, il y avait une section gaming à la fin où ils présentaient à chaque fois un jeu qui sortait et tout. Et il y avait Kingdom Hearts, justement, le premier. Le problème, c'est que, enfin, problème pour moi, c'est que à l'époque, j'avais lu le test, parce que je trouvais, ah, c'est, ça a l'air, enfin, je trouvais la jaquette pas mal. J'essaierai de vous mettre la jaquette là pendant la vidéo pour vous montrer. Mais je trouvais la jaquette pas mal, assez alléchante et tout. Et j'ai regardé un peu les images qu'il y avait, les screenshots, et je voyais, il y avait Winnie, il y avait Tarzan, je crois, et je sais pas quel autre, et je sais pas qui, je crois qu'il y avait Cloud aussi. Ouais, Cloud normalement. Et bon, Cloud, je le connaissais un tout petit peu, parce que voilà, mes cousins en Espagne avaient quasiment tous les FF. Hein. En tout cas, ils avaient le 7, 8, 9. Et je me rappelle très bien avoir vu Cloud. Bon, je ne savais pas que c'était Cloud, mais je me rappelle très bien avoir vu un personnage qui ressemblait beaucoup, et surtout avec l'épée, quand j'étais chez mes cousins avec le FF7. Et justement, je lis le test et tout, donc ouais, action RPG. Bon, bah, j'étais fan des RPG, je venais de recevoir la Play 2 il y a pas si longtemps, avec FF10. Et justement, je fais, ah bah, RPG, ça peut être sympa, ça peut être cool. Moi, je commençais à lire et tout, donc je trouvais, ouais, action RPG, ouais, c'est bien, c'est cool. Donc tu peux te déplacer et attaquer en même temps. Ça m'a fait tilter tout de suite à Secret of Evermore. Et bah voilà, je me suis dit, ah bah c'est cool, si c'est un jeu que tu peux bouger comme Secret of Evermore, c'est cool. Oui, c'est cool, seulement que j'ai vu après la partie Disney, enfin j'ai lu après que ce jeu mélangeait Final Fantasy, je me suis dit, ah génial, ça mélange Final Fantasy, ça c'est cool. Et ça mélange Final Fantasy avec quoi? Avec Disney. Et j'ai fait, oh putain, t'es pas sérieux, avec Disney? C'est quoi ce bordel? Après, j'ai lu que tu pouvais combattre avec Donald, Dingo, qu'il y avait les mondes de Winnie, de la petite sirène, machin. Et j'étais là, non, mais c'est quoi ce jeu de gamin? C'est quoi ce jeu de merde? Et tout ça. Alors que, au final, c'est un putain de jeu. Franchement, vous mettez à côté les mondes Disney et tout le tralala. Et c'est un putain de jeu. C'est un jeu tout bonnement énorme, au scénario exceptionnel. Bon, quoique le scénario, il s'étoffe, on va dire, plus dans l'épisode GBA, donc l'épisode Chain of Memories, le scénario s'étoffe plus. Mais à l'époque, on avait déjà là un putain de jeu. Seulement que moi, con comme j'étais, bah voilà, j'ai pas vu tout de suite que ça pouvait être un jeu de ouf. Et j'ai regretté amèrement, parce qu'après ce jeu, c'était plutôt bien vendu. Il s'était plutôt bien vendu et il était quasi introuvable dans le commerce. Et j'avais vraiment regretté, parce qu'après je m'étais pris le Chain of Memories que j'avais adoré, avec le gameplay des cartes, et voilà, il se trouve que j'ai vraiment, vraiment, vraiment regretté d'avoir loupé à l'époque ce Kingdom Hearts 1, parce que tout simplement j'étais con, voilà, je me suis arrêté à l'argument Disney c'est de la merde, alors qu'en fait non, non, en fait il est super bien ce jeu, il est énorme, il est vraiment génial. Et voilà, je me suis arrêté à l'argument Disney, et c'est vraiment, vraiment dommage, parce que j'ai vraiment loupé à l'époque, en tout cas. Bon, maintenant c'est fait, c'est rattrapé, parce que maintenant j'ai tous les opus de la série que j'ai fait et refait. Non, sauf 3D. 3D, je l'ai pas refait encore. Mais les autres opus, je les ai fait et refait. Et putain, bah voilà, maintenant je prends putain de pied, et c'est mon jeu vidéo préféré. Toutes consoles confondues, c'est mon jeu vidéo préféré, Kingdom Hearts. Mais à l'époque, voilà, j'étais passé à côté d'un putain de jeu, et je regrette, mais fois mille, d'être passé à côté de ça. C'est vraiment, j'étais vraiment con, et là, je vais me, comment on dit, me, ah, je vais me gifler, voilà, je vais me gifler parce que je le mérite d'être passé à côté d'un putain de jeu comme ça. Voilà, c'était mon petit monologue des 10 premières minutes de ce test, avant de pouvoir attaquer le vif du sujet. Donc déjà, si vous avez fait gaffe aux quelques premières phrases, le jeu est doublé en français, entièrement français. C'est à partir de l'épisode DS, le 358 sur The Days, que le jeu est doublé en anglais sous-titré français. Autrement, Cache 1 et 2 sont doublés en français intégral.
Croisons les droits, croisons les droits, oui, croisons les droits, croisons les doigts pour que Square Enix nous sorte KH3 en français intégral. Franchement, d'un côté, j'aimerais bien. Parce que les voix anglaises de Sora, j'aime pas trop. Personnellement, la voix anglaise de Sora, j'aime pas trop. Je préfère sa voix française. Encore Riku en anglais, ça va. Les autres encore, ça va. Mais, Sora en anglais, je peux pas. Je supporte pas. Bref, on commence donc, voici tout début du jeu, où déjà là, il va y avoir un choix très important à faire et qui va changer radicalement le jeu. Donc nous arrivons sur une sorte de palier. Alors bon, comme je viens de le dire, ça mélange Disney. Donc c'est la belle... Non, oh, putain... Ouh, révise ton Disney, le Kizé, c'est pas bon là. Tu dis n'importe quoi, tu dis de la merde, faut réviser ton Disney. Donc on est sur un palier qui représente... comment ça s'appelle? Blanche-Neige. Blanche-Neige, elle est cette nain. Alors pourquoi Blanche-Neige? Vous le saurez, si vous regardez le Let's Play ou si vous faites le jeu, vous le saurez. Mais elle aura une importance principale, elle ainsi que d'autres filles issues des univers Disney. Je ne vous dis pas lesquelles. Alors, avant d'attaquer par le gameplay, je vais vous parler vite fait du scénario. Bon, le scénario, c'est que Sora, Riku et Kairi, donc les trois persos principaux, on va dire, les trois héros de Kingdom Hearts, en fait, désirent partir à l'aventure et ils se sentent un peu à l'étroit sur leur île. Et ils voudraient partir à l'aventure, découvrir d'autres mondes. Mais le problème, c'est que un soir, une tempête se déclenche sur l'île. Les ténèbres envahissent l'île, ce qui fait que nos trois amis sont séparés. Et Sora va donc rechercher ses deux amis pour retourner sur leur île. Et il va donc après s'allier avec deux personnalités de Disney qui sont bien connues pour retrouver leurs amis. Et ces personnages de Disney recherchent leur roi qui a aussi disparu. Et justement, le fait que, enfin, l'histoire des mondes dont je vous parle, c'est que les mondes qu'on va visiter, ce sont les mondes de Disney. Alors après, il y a des mondes qui sont issus, enfin, qui ont été créés uniquement pour ce Kingdom Hearts. C'est normal, hein, il y a des mondes qui font faire partie du scénario du jeu, quand même. Mais la plupart des autres mondes seront des mondes Disney. Je sais pas pourquoi ça me fait des putains de frises comme ça. Enfin bon. Voilà, ça c'est vraiment le scénario de base, hein. C'est vraiment Sora qui va aller récupérer ses amis, et donc il va visiter la plupart des mondes Disney dans lesquels il va s'associer avec les alliés du monde, etc. Mais ça, je vous montrerai peut-être plus tard dans ma partie, dans ma propre partie que j'ai là. En tout cas, enfin voilà, je vous montrerai plus tard. Donc, pour revenir ici, bon, tout simplement pour les commandes, très simple, hein, on bouge avec le joystick, rond pour sauter, pour l'instant on peut faire que ça. Et voilà, on a donc le choix entre un bouclier, une épée ou un sceptre. Alors, on va aller sur les trois. Et déjà là, gros point noir du jeu, c'est que Sora est immaniable dans le 1. Enfin, il est très chiant à manier. Le pouvoir du gardien, l'esprit de protéger tout ce qui t'en cherche, je crois que c'était ça. Et ça, le pouvoir que tu recherches, non. Voilà. Donc je disais, déjà, gros point noir de Kingdom Hearts. Et ça, c'est dans tous les opus, malheureusement, c'est la caméra qui est chiante. Bon, dans le 2, elle est déjà un petit peu mieux, mais la caméra est horrible. Là encore, ça va, mais il y a des circonstances où la caméra se place à des angles vraiment trop galères et trop chiants. Et c'est juste infernal. Et deuxième point noir que j'ai envie de dire, c'est Sora est ultra rigide. Là, pour sauter, c'est ultra rigide. Je peux quasiment pas revenir en arrière. On dirait un Castlevania, c'est juste infernal. Affolant quoi. Sora est ultra rigide dans KH1, c'est dégueulasse. Alors, ensuite j'ai le sceptre que je peux choisir. Le pouvoir du mystique, la force intérieure, un sceptre puissant et magique. Est-ce le pouvoir que tu recherches? Non. Non. Et pour finir, l'épée. Alors bon, si vous êtes assez fut-fut, vous devriez comprendre de quoi il s'agit. Le pouvoir du guerrier, un courage invincible, une épée à la puissance destructrice. Est-ce le pouvoir que tu recherches? Oui. Car en fait, là, il nous impose dès le début un choix. On peut donc choisir l'épée, le sceptre ou le bouclier. En prenant l'épée, donc, vous boostez votre attaque. Vous êtes donc un gros bourrin. En prenant le bouclier, vous boostez vos HP et votre défense.
En prenant le sceptre, vous boostez vos MP. Tout simplement. Donc là, j'ai choisi le pouvoir que je veux booster, à savoir l'épée, donc mon attaque. Maintenant, il faut que je choisisse, quelque chose que je veux délaisser. Alors, je peux soit délaisser le sceptre. Si je délaisse le sceptre, du coup, j'aurai une attaque surpuissante, pas beaucoup de MP, mais des HP et une défense moyenne. Si je laisse le bouclier, j'aurai une attaque puissante, des MP moyens. Par contre, j'aurai une défense et des HP faibles. Et ça marche pour les autres sens. Imaginons que j'ai pris le bouclier comme premier choix. Je booste donc mes HP et ma défense. Soit. Si je délaisse l'épée, j'aurai donc une bonne résistance, beaucoup d'HP, mais une attaque de merde. Et des MP normaux, enfin moyens. Si je délaisse le sceptre, j'aurai une défense et des HP amplifiés, une attaque merdique et des MP moyens. Pareil pour le sceptre, hein, donc je prends le sceptre, j'ai beaucoup de MP. Si je délaisse l'épée, bah, j'ai beaucoup de MP, une attaque merdique et une défense et des HP moyens. Si je délaisse le bouclier, la même chose que les autres, etc. etc. Ici, je vais donc délaisser le sceptre. Je m'en fous des MP. De toute façon, c'est juste pour la partie du test, c'est juste pour le début. Hein. De toute façon, ça, on s'en fout. Donc, je délaisse les MP. Oui. Ok. Donc, j'ai choisi le pouvoir du guerrier. Et j'abandonne le pouvoir du mystique. Donc, je suis un gros bourrin. J'ai des HP et une défense raisonnable, enfin moyenne. Et par contre, j'ai peu d'MP. Voilà. Donc ça, c'est déjà un des premiers choix. Et qui sera définitif pour l'aventure. Car là, vous ne pourrez plus changer. Vous aurez automatiquement l'attaque qui sera toujours plus puissante que votre défense ou vos HP. Bon. Dépendant après, bien sûr, si vous utilisez les boosters HP, les boosters défense, ou si vous équipez des armures très puissantes et que vous, après, vous équipez des armures qui baissent l'attaque, bien évidemment. Mais en général, c'est toujours l'attaque qui sera votre point fort. Voilà, donc j'obtiens le pouvoir de combat. Donc, c'est parti. Là, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, X pour attaquer. Voilà, pour l'instant, petit tutoriel facile et très chiant. Mais bon, nécessaire à tous. Donc voilà, la jauge verte indique vos HP. Et bon, comme tous les actions RPG ou RPG, c'est tombe à zéro, c'est le game over. La jauge bleue, c'est les MP, c'est pour utiliser les magies et invocations, mais on n'en a pas pour l'instant. Premiers ennemis du jeu, bon, ça me fait chier que ça lag comme ça. Je pense que c'est parce que mon PC est allumé d'un peu depuis toute la journée. Peut-être que je songe à lui faire une petite pause après. Donc, on appuie sur X pour attaquer. Bon, vous vous dites bien qu'attaquer un coup par coup, c'est chiant. On peut attaquer donc à répétition. En appuyant plusieurs fois sur X, on peut faire des combos. Sachant que les combos, enfin Sora peut attaquer aussi bien au sol qu'en l'air. Bon, pour l'instant, on n'a que des ennemis terrestres, enfin au sol. Du coup, ça va surtout s'attaquer au sol. Ensuite, grande nouveauté, enfin nouveauté non, mais on va dire que grâce à Ocarina of Time qui avait, je crois que c'est Ocarina of Time qui a instauré le premier le système de lockage de l'ennemi. Là, on nous apprend qu'en appuyant sur R1, on peut locker l'ennemi. Mais déjà de base, sans locker un ennemi, on a déjà un auto-lock. Donc le petit rond orange là, jaune orange, c'est un auto-lock. Donc vous verrouillez automatiquement un ennemi. En appuyant sur R1, vous le verrouillez complètement. Du coup, là, il est vraiment verrouillé, il est dans votre ligne de mire. Et toutes vos attaques seront dirigées sur lui. Voilà. Alors là encore, comme je vous dis, la caméra, ça va, ça, elle est pas trop capricieuse parce que c'est le début du jeu. Les espaces sont assez ouverts. Mais normalement, dans ma partie que je vous montrerai après, j'aurai un exemple normalement bien concis, enfin bien précis, où les angles de caméra sont vraiment, mais alors vraiment, d'obesque, merdique. Et c'est ça, un des gros points noirs du jeu, c'est la caméra. Et ça, malheureusement, c'est partout pareil dans tous les Kingdom Hearts, sauf Chain of Memories qui se passe en 2D. Et oui.
Ah mais c'est vrai que ce problème de caméra est vraiment chiant à force. C'est vraiment relou. Parce que dans les ondes, parce que les boss qui bougent énormément, c'est très très problématique ces espaces de caméra. Donc là, je vais continuer juste pour vous montrer encore un autre choix. Donc là, ah oui, alors je vous ai pas parlé, hein. Donc en bas à gauche, c'est le menu des commandes. Pour l'instant, on n'a que attaquer ou pour l'instant interrogation. L'interrogation servira notamment à ouvrir les coffres ou à examiner des objets comme ceci. Va naviguer dans le menu des commandes, flèche du haut, flèche du bas ou stick droit. Donc on va examiner la porte. C'est un peu le tutoriel qui, en a, qui nous disent qu'on peut projeter des ennemis, enfin qu'on peut taper des tonneaux, qu'on peut soulever des objets, pousser des caisses, ouvrir des coffres, blablabla. Bref, c'est le tutoriel basique et chiant de tous les RPG ou tous les jeux. Voilà, donc là, ajout de la commande d'objet normalement. Ah non, ça sera après. Donc là, on peut pousser les caisses. Donc il faut se placer devant l'objet et le pousser. Vous pouvez aussi les casser. Donc si je peux les casser, hop, voilà. Je récupère donc un objet. Voilà, donc la commande objet a été rajoutée. Et là, c'est idem hein, pour sélectionner les objets. Hop, vous descendez, vous validez avec X et vous utilisez la potion ou pas, à votre choix. Donc là, on peut aussi porter, comme je vous l'ai dit, hop, comme ça, en se mettant à côté de l'objet. Rien de bien difficile. Et voilà, la porte est ouverte, tu peux passer à la suite. Et là, deuxième choix du jeu. Et c'est ça que j'avais trouvé énorme. Bon, à l'époque, ce deuxième choix, je ne l'avais pas compris. Mais maintenant, je le comprends tout à fait. Je le comprends tout à fait. Et je vais vous expliquer. Et là, ça va être magique, parce que nous allons voir, voilà, des personnages de Final Fantasy. Actuellement, nous en voyons 3, enfin nous en avons vu 3. Selphie de FF8, Tidus de FF10 et Waka de FF10 également. Ici, deuxième choix. Donc, quand on est en face d'un PNJ, la commande attaquer se change en parler. Et donc, voilà. Les trois personnages vont nous poser des questions. Selon la réponse que l'on donne, on aura deux phrases qui vont s'afficher. Et ça, je vous explique dans quelques secondes. Alors, qu'est-ce qui compte le plus pour toi? Mes objets préférés. Oui, c'est si important, mes objets préférés. Ensuite, tu as peur de quoi? De grandir. C'est quoi ton rêve? Devenir fort. Tu veux devenir fort. Voilà. Tu aimes avoir de beaux objets, tu as peur de grandir, tu veux devenir fort. Ton voyage débutera en pleine nuit. Ta route sera difficile, mais le soleil levant t'attend au bout. Qu'est-ce que ça veut dire par là? Ça veut dire... Bien joué Squaresoft à ce point-là, à cette époque, bien joué, parce que j'avais pas compris ça à l'époque. Mais en fait, c'est très simple. Cette phrase signifie... va en fait déterminer à quelle vitesse vous allez gagner les 50 premiers niveaux et à quelle vitesse vous allez gagner les 50 autres niveaux. Donc là, mon voyage débutera en pleine nuit. Donc, c'est-à-dire que du niveau 1 au niveau 50, je vais XP très lentement. Enfin, ça mettra du temps pour gagner des niveaux. Mais le soleil levant à ton bout, à partir du niveau 51, ça veut dire que je gagnerai mes niveaux beaucoup plus vite. L'autre, c'est ton voyage débute à midi, ou quelque chose comme ça. Mais la nuit sera différente, etc. C'est-à-dire que mes 50 premiers niveaux vont monter très très vite, mais les 50 derniers seront beaucoup plus longs. Donc là, je vais jouer franc. Là, j'ai répondu à peu près au bol. Là, je vais être franc. Alors, j'ai peur d'être différent. Et là, c'est quoi ton rêve? Faire le tour du monde. Normalement, ça me mettra une autre phrase. Tu recherches l'amitié, tu as peur d'être différent, tu veux faire le tour du monde. Et ça freeze, bon c'est pas grave, tant pis. Comme je l'ai dit, je ferai une pause à mon ordi après, parce que c'est vrai qu'il bosse un peu depuis toute la journée, le pauvre. Alors, ton voyage débutera à midi. Tu avanceras à un rythme constant jusqu'à son terme. Voilà. Donc, mon voyage débutera à midi. Ça veut dire que les 50 premiers niveaux vont être faciles. Et les 50 autres,
bah, sera un peu plus long. Donc on va dire que ça me va. Et voilà. Et déjà là, déjà donc les choix d'armes au début et ces choix là sont déjà déterminants. Parce que c'est là que ça se joue. C'est là que tout se joue. Étant donné que après, dépendant de ce que vous avez répondu, si vous avez le truc qui vous dit que les 50 premiers niveaux vous les gagnez difficilement, c'est la merde. Parce que les compétences vous les aurez assez tard, et vous faudra XP un fond dès le début du jeu pour être assez résistant, assez fort. Or là c'est bon, j'ai gagné les niveaux assez vite normalement. Donc c'est tout bon. Bon, la petite phase de gameplay. Quoique je pourrais arrêter le test là déjà, mais on va quand même terminer la phase tuto. On va quand même terminer la phase tuto. Donc déjà, bon, il y aura un petit spoiler parce que je vais combattre le premier boss normalement. Pour vous montrer justement le fait qu'on sera pas attaqué en l'air, et aussi vous montrer un peu les doublages français. Parce que là pour l'instant ça parle pas. Enfin, Sora ne parle pas. Donc ça c'est un point de sauvegarde, je pense que vous l'aurez tous et toutes compris. Alors après, il faut que je voie si je peux revenir à l'écran titre ou pas. Normalement oui, parce que sinon il va falloir que je redémarre la ROM. Bon, ça va être chiant quoi, si j'ai redémarré la ROM, ça fait un peu chier, mais bon. Si tel est le cas, on la redémarrera, pas de soucis. Alors, est-ce que je peux accéder à l'écran titre? Menu. Sauvegarde, sauvegarder. Non, je peux pas revenir à l'écran titre. Fait chier. Bon, bah, va falloir que je redémarre la RAM après. Bon, c'est pas trop grave. Donc, je vais vous montrer le premier boss. Oh, spoil! Oui, bon, bah, si vous voulez passer le boss et me retrouver juste après pour les dialogues des cinématiques, juste pour la VF, hein, vous pouvez. Voilà. Bon, ça frisonne un petit peu encore. J'ai aspiré mon ordi hier, j'ai aspiré derrière mon ordi et tout, mais enfin bon. Ouais, je pense que c'est vraiment parce qu'il bosse toute la journée aussi, c'est un peu compréhensible. Bon, là je ne vous dis rien au niveau de l'histoire, je ne vous dis pas ce que c'est. Je ne vous dis pas ce que sont ces créatures, pour ça je vous laisse faire le jeu ou suivre mon let's play si ça vous intéresse. Mais je ne vous révélerai rien du tout. Et ça fait déjà environ une demi-heure que nous sommes ensemble. Enfin, ça fait 28 minutes, à peu près. 28-29. Oh non, non, je compte faire un assez long test. Parce que je compte vous montrer tout. Bon, j'ai pas parlé des aspects, on va dire, techniques, à savoir graphisme, son, durabilité, enfin, jouer de vie et tout ça. Genre, durée de vie. Mais bon, graphiquement, le jeu est très très beau, il est très coloré. Ça vous le verrez plus après dans les mondes de Disney. Il est vraiment très, c'est un jeu vraiment très coloré. Bande son, c'est signé Yoko Shimomura. Oui oui, la même pour les musiques de Live Alive. Donc c'est que du bon. Et mon dieu, que ce que les musiques de Kingdom Hearts. Mais toutes les musiques de Kingdom Hearts sont vraiment excellentissimes. Durée de vie, vous en aurez. Alors, dépendant de ce que, si vous arrivez bien ou pas, vous pouvez facilement arriver à une trentaine d'heures environ. Le jeu est pas très long en somme. C'est clair que quand vous le faites la première fois, bah voilà, vous allez vous galérer un petit peu. Peut-être vous allez galérer sur certains boss qui vous font redémarrer, enfin recommencer encore et encore les combats. Et un troisième gros point noir, c'est qu'on peut pas passer les cinématiques. Du moins pas dans celui-ci. C'est à partir de KH2 qu'on peut passer les cinématiques. C'est assez problématique parce que y a des boss qui sont assez chiants. Si vous connaissez pas leur pattern, et si vous perdez contre eux, vous devez vous retaper la cinématique en complet, et c'est très très chiant. Donc, premier boss battu, rien de bien difficile. Si vous prenez l'épée, c'est rien de bien compliqué du tout. Donc là, on va arriver après à la suite, qui va être le vrai début du jeu avec les doublages français. Non mais bon, honnêtement, graphiquement, le jeu est très très bon. La cinématique d'intro et la cinématique au tout début et de fin sont en image de synthèse, donc très très belle, comme Squaresoft Enix maintenant sait très bien le faire, hein. C'est vraiment très belle, mais même in-game, le jeu est beau, le jeu est très beau, le jeu est très très beau, c'est très coloré comme je l'ai dit. Les mondes Disney le seront quand même nettement plus,
sur nettement plus de couleurs, mais c'est très coloré, c'est très très beau. Bande son, c'est génial. Jouabilité, bah ça je vais y revenir un peu, mais c'est vrai que c'est chiant. Il y a certaines choses qui sont... Enfin, j'ai déjà abordé les thèmes. Hein. La caméra qui est chiante, il y a le maniement de Sora. Donc H1 Sora est juste dégueulasse à manier. Enfin, je l'aime pas. Non, j'aime pas manier Sora dans H1 parce qu'il est chiant. Il est très lent. Il est ultra rigide. C'est vraiment l'horreur pour le manier dans Kingdom Hearts 1, c'est l'horreur. Donc la connaissance du deuxième personnage Tu m'as fait principal. peur, Kairi. Et bientôt le Sora est troisième va se impressionnant. pointer. Je savais que je te trouverais là en train de dormir. Non, Mais là, vous c'est pouvez quelque noter chose déjà de moi. Je l'ai l'excellente oublié. VF. Je ne pouvais plus respirer. Je. Oh! Très franchement, je trouve Et que la donc, VF dans ton va rêve, très très ce bien n'est pour pas ce un jeu. rêve. À moins que. Je ne sais pas. C'était quoi cet endroit? Là, vous C'était voyez bizarre. déjà, bon, graphiquement, je le redis encore, Mais mais c'est c'est beau. ça. L'île, là, c'est l'île natale de D'où Sora, viens-tu? c'est très coloré, Je hein, vis ta on... ville natale. Tu sais, là où t'as Je veux grandi. dire, c'est très coloré, Je les t'y ai effets de déjà lumière vu. sont Je bien, n'en souviens pas. sont sympas. Non, franchement, c'est... Tu veux dire que t'as Graphiquement, il est vécu? beau. Là, et Pas du franchement, tout. pas à dire. C'est T'as pas non changé, plus une cependant. tuerie graphique, c'est clair, hein, c'est pas non plus une tuerie graphique, Je suis heureuse mais il est ici. beau. Kingdom Hearts, c'est beau. Vraiment? Mais. Bon, ce qui fait N'aimais chier, c'est pas que comme je l'ai dit, je Kairi-san. peux pas passer les Moi cinématiques, donc aussi, faut que j'attende j'aimerais un toi. petit peu. Et Parce que aussi, j'aimerais vous aimer les autres une montrer fois bah, d'autres pour une. choses. Je veux tous les J'aimerais vous voir. montrer ma partie. Bah alors, qu'est-ce qu'on Bon, ça va attend? spoiler Hey! forcément, hein. Ça va Et spoiler le moi nom alors, mais c'est des deux tombé? alliés principaux de Sora. Je vois. Ça va spoiler beaucoup de choses, mais après, je Tu pourrais vous seras montrer motivé quand justement les Sora viendra. choses. Je pourrais vous montrer d'autres éléments Toi! du jeu que je ne peux Et pas, toi, toi aussi, vous par montrer à essence cause du pourrie. début. Parce que le début est quand même assez T'as long. remarqué? Ok, on Bon. va le finir ensemble. Évidemment, On fait la quand on course? sait Hein? quoi faire, Non, ça va tu très plaisantes. vite. Mais quand on ne le sait Allez, pas, partez! c'est long. C'est long et c'est un début assez calme, assez mou et assez chiant qui va en rebuter certains. Ça c'est dit. Non, parce que je vous explique. Comme je vous ai dit, les trois là, donc Sora, Riku, Kairi, construisent un radeau pour partir découvrir de nouveaux mondes. Et donc on devra donc chercher au début des provisions, du matériel pour faire le radeau, etc. Donc c'est la partie un peu chiante du jeu, du début, qui fait un peu office tutoriel aussi. C'est la partie chiante du jeu, du début. Mais après le jeu décolle et il est très très bon. Alors bon, je l'ai pas dit non plus parce que je pouvais pas vous le montrer, mais Sora peut s'accrocher à divers endroits. Il peut sauter et s'accrocher. Notamment aux arbres. Donc vous pouvez monter, descendre des arbres, vous pouvez vous accrocher au petit cabanon. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Bah, c'est à peu près tout. Bon, après, il y a d'autres compétences qu'on débloque dans le jeu, mais je vous montrerai ça plus tôt dans ma partie. Est-ce que je vous montre? Ouais. Autre chose à savoir pendant les combats, c'est que vous pouvez gagner. Bon, alors. Bon. C'est un RPG, hein, donc vous gagnez de l'XP à chaque fois que vous tuez un ennemi. Mais il y a une autre manière de gagner de l'expérience. En effet, durant les combats, vous pouvez parer. En réalisant certaines actions, vous gagnez de l'XP bonus. Alors je vais vous montrer l'exemple qui est Tidus parce que je trouve que c'est le meilleur exemple. Tu vas perdre. Ah voilà, je lock Tidus. Là, il fonce vers moi. En attaquant, voilà, en attaquant en même temps. Nos coups se sont croisés et donc j'ai gagné 2 points d'XP bonus. Voilà, vous avez vu bonus 2P, donc bonus 2 points. Et ça, vous pouvez faire ça sur pratiquement tous les ennemis. Les boss aussi, hein, les boss ont certaines attaques que vous pouvez gagner. Enfin, certains coups bonus que vous pouvez, XP bonus que vous pouvez gagner. Il y a aussi les ennemis. Par exemple, il y a des ennemis qui résistent à la magie, qui sont sensibles à la magie de feu. Si vous utilisez donc une magie de feu sur eux, vous gagnez de l'XP bonus. Pareil pour les monstres de glace, qui sont faibles à la glace, vous utilisez une magie de glace sur eux, vous gagnez de l'XP bonus, etc. 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 Il y a mille et une façons de... Enfin, mille et une non, mais il y a énormément de façons de gagner divers points d'expérience bonus. Le tout, c'est de découvrir en jouant. Donc voilà, je termine ce combat. Et ensuite, je termine... Enfin, après, je retournerai... au menu principal dans lequel je vous montrerai ma partie. Alors normalement c'est vrai, voilà, c'est terminé.
Sachant que vous pouvez combattre ici pour le début du jeu Tidus, Selfie, Waka et Riku. Riku demande quand même un peu plus de doigté, un peu plus de technique parce qu'il est assez chiant à battre quand même. Voilà, voilà. Donc, première partie de ce test, on va dire, terminée. Alors, je rentre ici. Bon, en fait, j'ai même pas besoin de sauvegarder parce que je vais redémarrer l'émule. Hop là. Voilà, me revoilà pour donc cette deuxième partie du test sur Kingdom Hearts, premier du nom. Bon, je laissais reposer mon ordi étant donné que ça avait l'air de pas trop bien aller pour mon petit PC. Donc je l'ai laissé reposer un petit peu. Bon, parce qu'il faut dire, c'est vrai que je l'ai allumé genre ce matin vers 11h et que là actuellement on est 5h30. Et bon, bah c'est vrai que voilà, il chauffe. Il a bien travaillé dans la journée, donc c'est normal qu'il soit un petit peu épuisé. Donc je l'ai laissé se reposer. Mais bon, c'est pas très grave. Je sais de toute façon très bien où je m'étais arrêté et ce que je voulais dire après. Parce que, de toute façon, je vais vous montrer beaucoup d'éléments de gameplay maintenant. Alors déjà, bon, là, spoil. Spoil parce que, voilà, vous voyez déjà mes deux alliés principaux qui votent Donald et Dingo. Mais maintenant, je vais vous montrer beaucoup plus de choses. Alors déjà, je vais vous montrer la magie. Alors, vous avez toutes les magies ici. Hein. Bon, bah en fait, non, ça change pas grand chose apparemment. Ouais, faut que je voie. C'est peut-être Fraps qui fait déconner le jeu. Faudra que je voie. Donc, j'ai toutes les magies ici. Brasier, glacier, foudre, soin, que je peux choisir la cible, gravité, stop, et rafale. Alors, bon. Brasier, glacier, foudre, soin, je pense que vous connaissez, hein, si vous avez joué au FF. Gravité, ça permet de toucher et de faire plus de dégâts aux ennemis volants. Stop, comme son nom l'indique, ça paralyse l'ennemi pendant un court instant. Et rafale, ça fait un bouclier autour de vous ou de n'importe quelle cible. Les invocations ne sont déclenchables qu'en cas de combat. Alors j'ai Simba, Génie, Dumbo, pardon, Bambi, Clochette, Mushu. Alors... Simba, la particularité de Simba, c'est que... Bon, en fait, je vais essayer de tout vous les montrer, tiens. Comme ça, je vous montre un peu. Alors, Simba. Mais maintenant, ça va surtout être phase gameplay. Hein. C'est vrai que la première partie, c'était beaucoup explications, scénario et tout ça. Maintenant, ça va être plus phase de gameplay. Et donc, c'est parti. Alors, invocation remplace vos alliés. Et là, avec Simba, en fait, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut appuyer sur la jauge concentrée. Voilà, pour emmagasiner de l'énergie. Et la relâcher pour que Simba effectue un rugissement. Bon, quand même, là, c'est peut-être pas le bon endroit, étant donné la blinde d'ennemis, surtout très chiants, qui sont ici. Mais voilà, vous avez compris le système. Hein. Il faut concentrer l'énergie pour que Simba inflige de plus lourds dégâts. Alors les invocations, c'est un peu spécial parce que en fait c'est la jauge orange qui détermine le temps qu'elles peuvent rester en combat. Bon, je vais peut-être éliminer un peu de peuple parce qu'il serait qu'ils sont assez chiants, c'est sans cœur. Voilà. Bon, franchement, je vais essayer de vous montrer toutes les invocations parce qu'elles sont pas mal. Surtout que dans mon let's play, je crois que je les ai pas toutes montrées. Alors, le génie, maintenant. Ah, il me semble pas que je les ai montrées, les invocations. C'est dommage, j'aurais peut-être dû en fait vous les montrer. Alors, ce qui est vraiment aussi énorme avec les mondes de Disney. C'est que vous allez voir ça. Donc la pitrerie. En fait, le génie fait plusieurs actions en même temps. Il faut loquer un ennemi et après il peut lancer des différentes actions. Donc là, en général, c'est des tirs magiques. Mais très très puissant. Bon, ça va, j'ai assez d'élixir pour vous montrer au pire. Donc le génie utilise vraiment des magies différentes. Hein. Il utilise gravité, il utilise. Bon là après il utilise aussi d'autres magies que nous n'avons pas. Mais là en tout cas gravité c'est lui qui l'a fait. Je crois qu'il utilise glacier et brasier aussi.
Il est vraiment très 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 puissant. C'est vraiment un allié vraiment utile et très puissant. Donc le génie c'est fait. Bon maintenant c'est que le problème maintenant c'est que j'ai plus de 100 coeurs. Ou bien. Non, j'en ai plus. Bon, zut. Va falloir que j'aille en chercher. Parce que je vais essayer de vous montrer un peu toutes les invocations. Pour montrer à quel point elles sont utiles. Voilà, parfait, ça repop. Alors, non. Ah putain. Ça aussi, le menu est chiant, quoi. Alors, Dumbo, cette fois-ci. Bon, alors, pour savoir, pour ceux que ça intéresse, avec Sora, j'ai la Keyblade ultime. Hein. Alors, à Dumbo, voilà. Là, en fait, on peut asperger les ennemis avec l'eau. Donc, on peut laisser appuyer. On peut laisser appuyer et Dumbo va voler pour infliger des dégâts aux ennemis. Bon, il est assez pratique. En plus, vous êtes invincible normalement. Vous ne craignez rien. Bon, c'est. Il n'inflige pas de lourds dégâts, c'est clair. C'est pas avec Dumbo que vous allez recevoir. Vous allez infliger des plus lourds dégâts, mais enfin bon. C'est toujours ça de prix, quoi. Voilà, invocation. Alors, Bambi. Bambi, c'était une invocation spéciale. Elle n'attaque pas vraiment. Enfin, elle n'attaque même pas du tout, en fait. Par contre, c'est quand vous allez tuer des ennemis, et vous aurez des chances d'obtenir des objets rares, ou des sphères HP, MP ou autre, en fait. Vous allez voir ça tout de suite. En fait, Bambi, il faut remplir en fait sa jauge bleue. Et pour la remplir, en fait, il faut... Non, je sais pas s'il faut taper... Non, il faut battre des ennemis. Voilà. Et plus vous la remplissez, plus vous obtenez des... Bah, soit des MP, comme ceci. Soit vous obtenez après des sphères HP ou des objets. Mais voilà, il faut pour ça battre des ennemis pour remplir la jauge de Bambi. Bon, c'est une invocation, comme je vous l'ai dit, plutôt passive. Mais bon, en combat de boss, malheureusement, elle ne sert à rien. Parce que, bah, pendant les boss, il n'y a qu'un ennemi, donc vous pouvez pas vous tous les buter. Clochette. Clochette est une invocation, ma foi, très utile. Étant donné qu'elle vous permet de vous soigner. Continuellement, mais vraiment continuellement. Elle vous redonne des HP petit à petit. Je crois même qu'elle n'a pas de temps. Non, elle n'a pas de temps limite normalement. Ça veut dire qu'elle reste indéfiniment, il me semble. Donc c'est vraiment utile. Donc là, voilà. Je me suis pas soigné et j'ai récupéré des HP. Donc franchement, Clochette est vraiment une invocation hyper utile. Si vous voulez avoir plus de chance dans un combat contre un boss, je vous conseille d'utiliser Clochette. Parce que là, voilà, elle utilise donc elle me soigne tout le temps. Mais bon, le problème c'est qu'après, elle reste tout le temps et bon bah, après elle sert à rien quoi. Une fois que vous êtes soigné complètement, ça ne sert à rien. Et je vais vous montrer Mushu. Comme ça, j'aurai fini avec les invocations et je passerai après aux compétences. Alors Mushu, qui vient bien évidemment de Mulan. Bon, je pense que si vous connaissez un peu les Disney, vous savez de quel Disney vient chaque personnage montré. Je suis Mushu. Voilà, donc Mushu, ça fait quoi? Mushu souffle. Voilà, c'est une sorte de mitraillette comme ça. Une sorte de mitraillette avec des boules de feu. Bon, c'est clair, ça sera sûrement pas très très puissant, mais enfin bon, c'est toujours ça. Non, il est quand même puissant. Il est quand même puissant, le petit Mushu. Et puis, il est sympa. Allez, je le renvoie. Alors, ça, j'ai fait le tour des invocations. Maintenant, je vais essayer de vous montrer les compétences d'attaque que j'ai. Alors, déjà, le menu. On va faire les choses dans l'ordre quand même. Je vais vous montrer quand même le menu. Donc, en bas à droite, les stats. Donc, les stats de Sora, Donald, Dingo et de l'allié du monde dans lequel vous serez. Alors les objets, bah tout simplement les objets que vous équipez à chaque personnage qui les utilisera en combat. La malle, c'est là où vous avez tous les objets que vous récupérez durant le jeu. Et le gumi, je vous montre après c'est quoi. Équipement, bah vous l'aurez deviné, c'est pour donner les armes et pièces d'armure au personnage. Donc Sora se bat avec des Keyblades. Alors ça, je vous dirai pas ce que c'est, je vous conseille de faire le jeu ou de suivre mon let's play pour savoir ce que c'est. Mais vous en avez des différentes.
Donc ça c'est la Keyblade de base, après vous avez des Keyblades qui augmentent, donc voilà, augmentent les MP max de 1 point, puissante, difficile à contrer, elle augmente la chance de coup critique, à une longue portée, favorise le coup critique, elle augmente les MP max de 1 point, et elle permet de faire durer les invocations plus longtemps, etc, etc. Il y en a qui diminuent les MP mais qui est très puissante, comme celle-ci, et la dernière, Ultima, la plus puissante des Keyblades, augmente les MP max de 2 points. Ensuite vous avez les protections. Les protections c'est pareil. Vous avez à droite les stats qu'elles augmentent ou qu'elles baissent. Imaginons par exemple je vais mettre un collier carapace. Ça augmente ma défense de 1 point, mais ça baisse mon attaque de 3 points. Pareil pour d'autres équipements. L'anneau d'artisan, ça augmente les PC max de 3 points, mais ça va baisser mon attaque de 3 points aussi. Et etc, etc. Ça vous pouvez équiper Sora et tous les personnages. Compétences, donc ça c'est toutes les compétences que j'ai. Donc j'ai les compétences, on va dire standard, parade, roulade, scan pour voir la barre de vie des ennemis. Et après j'ai toutes les compétences d'attaque, à savoir Ragnarok, Disco Bolos, coup de grâce, non pas coup de grâce pardon, Arcane. Et tout ça c'est les compétences d'attaque qui se déclenchent dans des situations bien précises. Bon, vous avez les attaques combo pour faire plus de combos, cyclone pour... Enfin ça fait des attaques tournoyantes qui vous rapprochent de l'ennemi, des attaques tournoyantes en l'air, celle-ci augmente les coups critiques, ou alors vous pouvez carrément récupérer des MP en subissant des dégâts. Il y a plein de compétences et après c'est à vous de choisir lesquelles utiliser et lesquelles activer en fonction de la situation qu'il exige. Pareil pour Donald et Dingo, ils ont tous les deux leurs compétences. Les compétences groupe c'est un peu spécial parce que c'est les compétences qu'on utilise sur la map. Donc super saut, super nage, vol plané et super vol plané. Alors super saut, c'est ça. Parce que de base on fait un petit saut vraiment très petit, comme vous avez pu le voir dans la première partie. Donc ça c'est le super saut. Vol plané, vous sautez, vous appuyez une deuxième fois sur rond, ça fait un petit vol plané, vous n'allez pas très très vite. Super vol plané par contre, vous sautez, vous appuyez sur carré et là ça fuse. Bon ça va quand même beaucoup plus vite. Retour au menu, tactique, donc pour Donald et Dingo, ça va définir leur attitude dans le combat. À savoir, vous pouvez régler si vous voulez qu'ils fassent plus d'attaques normales, plus de magie, s'ils utilisent les objets en cas de danger, s'ils utilisent les objets immédiatement ou à utilisation régulière. Vous pouvez donc aussi, comme je l'ai dit, choisir, en tout cas pour Donald, si vous voulez qu'il utilise plus la magie standard défensive, donc par exemple si vous dites standard, enfin défensive, il va plus l'utiliser et que vous mettez sur souvent, il vous soignera très régulièrement avec soin, il vous mettra rafale et compagnie. La magie standard, c'est la magie brasier, foudre, glacier. Et après vous pouvez paramétrer si vous voulez qu'il l'utilise plus souvent, normalement ou très rarement. Dingo c'est pareil, seulement que c'est les attaques en fait pour Dingo. Dingo c'est les attaques normales, spéciales ou action du bouclier. Voilà. Mais tout ça vous verrez vous voyez de toute façon dans les compétences, hein, action de soutien et compagnie. Pour Sora c'est un peu particulier parce que vous pouvez paramétrer 3 raccourcis pour des magies. Là j'ai paramétré glacier, rafale et soin. Pour l'utiliser rapidement, donc raccourci, je fais L1 et en appuyant sur triangle, ça fait glacier, sur carré, ça fait rafale, sur X, ça fait soin. Retour au menu, l'état, donc c'est les stats, hein, donc HP, XP, niveau suivant, etc. Bon là, rien de bien compliqué. Le carnet, bah, c'est le résumé de tout, enfin ça résume tout. Résumé, là vous avez tout le résumé de chaque monde. Rapport d'Ansem, ça c'est pour le scénario, donc je ne vous spoilerai pas. Là vous voyez tous les personnages, donc les personnages principaux ou de Disney. Oups, petit spoil sur le nom des ennemis. Les sandales dalmatiens, c'est une quête annexe à faire. Les marques trio, c'est une quête annexe également à faire. Vous voyez que je les ai pas toutes faites, hein. Il me manque 3 trios blancs. Bon, c'est pas très grave. Hein. Et les records, bah c'est les records des mini-jeux que vous avez fait. Rien de bien passionnant. Les options. Auto-ciblage, donc vous pouvez activer ou désactiver l'auto-lock. Lock-on, fixe ou actif. En mode actif, lock-on n'est effectif que quand la touche est maintenue enfoncée. Donc fixe, ça veut dire que vous appuyez une fois, ça verrouille, c'est bon. Actif, c'est vous qui devez laisser appuyer sur le bouton. Caméra automatique ou manuelle,
Alors là, automatique, la caméra bah, bouge automatiquement, manuel c'est vous qui dirigez, mais bon, je vous conseille plutôt de laisser automatique, parce que manuel c'est un peu galère après. Vibration, oui ou non, à vous de voir, le son, stéréo mono, difficulté, expert ou normal, sachant que vous ne pouvez pas changer durant le jeu. Voilà, le menu c'est terminé, on va passer à d'autres éléments de gameplay du jeu, notamment un gameplay que malheureusement j'aime pas dans ce Kingdom Hearts 1, mais qui heureusement a été boosté dans le Kingdom Hearts 2, à savoir les phases pour passer dans différents mondes. Donc là, nous sommes sur la carte du monde. J'ai tous les mondes du jeu qui sont disponibles ici. Donc on commence dans celui-ci. Hein. Bon, no spoil, je ne vous dirai pas. Donc là, alors je vais vous dire les mondes spécial à Kaash. Alors, le monde spécial à Kingdom Hearts, il y a celui-ci, la ville de traverse. Il y a la forteresse oubliée et la fin du monde. Ensuite, monde Disney. Oh non, monde Disney, je vais vous laisser. De toute façon, vous les avez sans doute reconnus la plupart. Je vais vous laisser découvrir. Peut-être je vous en montrerai quelques-uns là pour vous montrer les particularités de gameplay. Alors, je vais vous montrer une phase, malheureusement, que j'aime pas, comme j'ai dit dans ce jeu. La phase pour passer d'un monde à l'autre. Alors, bon, au début, vous ne pouvez aller d'un monde à l'autre qu'en voyageant normalement vers lui. Alors, qu'est-ce que le voyage normal? Je vais vous montrer maintenant. Le voyage normal se passe en fait sur une phase de shoot 'em up, voilà, tout simplement. Donc vous dirigez votre vaisseau. Alors pour le manœuvrer, droite, gauche, en bas pour le... Enfin, vous baissez le joystick pour le relever, vous l'abaissez pour plonger. Vous laissez appuyer sur X pour tirer. Rond pour activer les freins. Et normalement la barre bleue, donc la barre énergie, c'est pour des lasers spéciaux, mais là comme j'ai que le vaisseau de base, je me suis pas fait chier à en créer un, mais vous pouvez tout aussi bien créer un vaisseau vous-même, l'équiper de toutes pièces, et l'équiper d'armes et d'armures plus résistantes. Bah, c'est clair que mon vaisseau c'est une merde. Hein. Là je vous le dis tout de suite, mon vaisseau c'est une merde. Donc là c'est clair que je peux me faire défoncer par un vaisseau ennemi en moins de 2. Je veux dire, je me prends 2-3 coups, je suis KO. Mais voilà, c'était pour vous montrer un peu les phases de shoot'em up. Alors, malheureusement, comme j'ai dit, c'est une phase que j'aime pas. Parce que déjà, c'est très moche. Bon, notre vaisseau est moche, ça c'est clair, hein, en mode Lego. Dommage que dans le 2, ça soit aussi comme ça, ils sont en mode Lego, c'est vraiment dommage. Je sais pas, j'aime pas trop, quoi. J'ai pas trop accroché à l'idée du vaisseau Gumi. Mode Lego, j'ai pas trop accroché à l'idée. Bon, après, comme je vous l'ai dit, vous pouvez tout à fait monter votre propre vaisseau avec vos propres blocs. Peut-être je vous montrerai d'ailleurs la création de vaisseau. Bon, je vais pas en créer un, mais je vais vous montrer quand même comment poser les différents blocs et tout. Mais là, en tout cas, voilà. Ce que j'aime pas dans ces phases de shoot'em up, c'est que c'est hyper linéaire. Enfin, bon, linéaire, c'est clair, c'est une phase de shoot'em up, c'est un rail shooter hein, dans ce cas-là, donc c'est normal que ce soit linéaire. Ce que j'aime pas, c'est pas dynamique. On bouge de gauche à droite, c'est un temps de chargement en fait, c'est ça. Les phases de shoot'em up, c'est en fait un temps de chargement dissimulé, mais mal dissimulé malheureusement, parce que ça se ressent trop. Ça se ressent trop et c'est chiant. C'est beaucoup trop chiant. En KH2, les phases de shoot'em up sont beaucoup plus dynamiques. Ah, mais elles sont 10 fois plus dynamiques. Avec des boss à battre. Des boss, vous pouvez virevolter dans tous les sens. Ça pète de partout. C'est 10 fois plus dynamique. Là, franchement, on se fait chier. On se fait chier dans ces phases de shoot'em up. C'est chiant. Franchement, je suis désolé, mais j'ai absolument jamais pris mon pied dans ces phases de shoot'em up. C'est absolument chiant. Je suis désolé, mais c'est vraiment trop galère. Plus tard dans le jeu, vous débloquerez l'hyperespace qui vous permettra tout simplement de vous téléporter d'un monde à un autre. Comme ceci. Ce qui rendra bien évidemment les voyages beaucoup plus simples et beaucoup, 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 beaucoup moins chiants. Alors, avant d'aller dans ce monde, pour vous montrer un autre élément de gameplay, je vais vous montrer l'association, enfin pas la création de vaisseau. C'est vrai, dans mon let's play je l'avais pas montré, donc je vais vous le montrer. Assemblage. Alors, on peut donc créer
Bah, on peut créer un modèle soit sur un modèle existant, soit sur un autre, soit nous-mêmes on peut créer notre propre modèle. Voilà, je peux maintenant assembler plus de blocs, c'est génial, j'ai plus de blocs, blablabla, bref. Alors, le truc c'est qu'il faut commencer par une cabine. Attendez, alors déjà, il faut que je me rappelle comment on fait, parce que je ne me souviens plus. Oui, je vais tout effacer. Voilà. Voilà, on va y arriver. Alors, le truc c'est que au début, il faut installer une cabine. Une cabine, parce que voilà, c'est comme ça. Parce qu'il vous faut une cabine hein, pour votre vaisseau. Donc vous avez différentes cabines. Vous pouvez les faire tourner grâce au joystick gauche pour voir les différents angles. Et choisir celle qui vous convient. Alors imaginons, je sais pas, je veux la cabine. On va prendre la cabine soin X parce qu'elle est bien. Voilà, alors. Joystick droit pour bouger l'angle de création du vaisseau. Par contre, on va mettre ça de façon logique quand même. Voilà, je crois que c'était comme ça. Alors, par contre, il faut utiliser les flèches pour bouger votre vaisseau. Voilà, alors je vais plutôt le tourner en face. Voilà, parfait. De toute façon, il faut la cabine, ça c'est obligé. La cabine, il vous la faut pour créer votre vaisseau. Après, maintenant, vous pouvez donc, en revenant sur R1, vous choisissez après les blocs que vous voulez mettre. Donc vous pouvez mettre voilà, des armes, donc des lasers à coller ici aux cabines, donc sur les deux côtés par exemple. R1 pour revenir. Donc ça c'est toutes les armes. Qu'est-ce que c'est la clé à molette? Mais rien d'attraper un objet éloigné. Non, alors ça on s'en fout. Ou quoi que non, faites ça. Bon ça après c'est différents objets. Hein. C'est pour récupérer tous les petits items qu'on voit, qu'on avait vu pendant les phases de shoot'em up. Alors, on va peut-être créer quand même. On va peut-être essayer quand même de se créer un vaisseau qui a un peu de gueule quand même, mine de rien. Alors attendez, parce que par contre, voilà, L1 et R1 pour baisser de... Non, L1 et L2 pour baisser de plan. Alors, tac, tac, et là j'ai merdé. Alors, carré c'est pour prendre le tout, enfin bref. Non, je veux pas tout effacer. Toi j'aimerais juste t'enlever en fait. Un réacteur, bah oui, il faut un réacteur hein, pour un vaisseau, c'est un peu logique. Vous pouvez vraiment créer un vaisseau comme vous le voulez. Alors, non, je vais plutôt prendre, parce qu'en moment j'ai d'autres réacteurs. J'ai 6 types de réacteurs. Voilà, on va mettre un putain de réacteur de fou psychopathe. On va même en mettre 2. Voilà, on va faire un vaisseau un peu dégueulasse, moche, mais bon, c'est pas grave, du moment qu'il ressemble à quelque chose. Et après, voilà, comme je vous l'ai dit, donc vous pouvez tout à fait le mettre pour le diriger. Alors, on va essayer quand même de faire un truc un peu stylé. Même si la création de vaisseau, c'est vraiment pas mon truc, je vous le dis tout de suite. Je crois que j'ai des ailes. Ouais, j'ai ça qui se ressemble plus à des ailes, ça serait peut-être plus stylé de mettre ça, le Kizae. Oh, putain, il faut vraiment que j'arrive à trouver ces putains de trucs. Parce que là, ça fait comment? Attends, on va mettre un truc comme ça. Bah alors... Voilà, comme ça. Ensuite, je tourne. On va essayer de le mettre à peu près comme ça. Voilà. Bon. C'est clair, c'est pas fameux comme vaisseau, mais voilà, vous pouvez vraiment créer votre vaisseau et chaque bloc que vous récupérez a différents effets. Donc là, ça augmente la résistance, etc. C'est vraiment vous qui voyez, quoi. Alors là, c'est les résistances moyennes.
et à grande résistance. Là, c'est vous après qui voyez quel bloc vous voulez assembler. Alors, je pense que j'ai fini. On va l'appeler Bahamut, hein, allez. Je l'ai enregistré ou pas? Voulez-vous vraiment enregistrer sur le mode? Alors non, on va l'enregistrer là. On va l'appeler... on va l'appeler... Isaé. Par contre, ça a sonné, donc va falloir juste que je m'interrompe 2 secondes. Je reviens. J'aime bien quand ça sonne pour rien, tu sais. Bref, on va enregistrer donc ce modèle. Voilà, donc j'ai le vaisseau Kizei. Voilà, vitesse 2 étoiles, résistance 3 étoiles. Bien. Maintenant, si j'utilise mon vaisseau, parce que oui, je peux l'utiliser maintenant pour naviguer. C'est ce qu'on va faire. Hop là. On va donc naviguer là et j'aurai donc mon vaisseau. Voilà, bon, il est moche, c'est clair, mais bon. Oh ouais, putain, il est clairement moche. Oh putain. Et il tire. Merde, j'ai pas. Oh non, quel con. J'ai pas mis de tir. Ah si. Mais bon, il faut que j'appuie sur triangle, quoi. Ouais, voilà. En fait, les armes que j'ai mis, elles sont tellement puissantes. Enfin, c'est des armes plus puissantes que d'autres, en fait. Du coup, ça auto-lock, en fait. Après, il faut appuyer sur triangle pour les lancer. Merde, je suis con, j'ai carrément oublié de mettre une... voilà, j'ai carrément oublié de mettre des armes standard. Mais bref, voilà, maintenant vous voyez que on peut carrément, voilà, contrôler, enfin, diriger, piloter un vaisseau que nous-mêmes on a créé. Bon, c'est clair, ça peut être cool, mais bon, c'est vrai que moi je m'étais jamais attardé, mais au final, c'est... Pour ceux qui aiment bien assembler des vaisseaux et tout, ça peut être sympa, ça peut être cool. Bon, par contre, faites pas les cons comme moi, n'oubliez pas de mettre des armes standards sur votre vaisseau. Ça serait plutôt bien. Bon, je vais faire exprès de me cracher la gueule, c'est pas grave. Ah, ce son insupportable. Allez. Écrasement. Écrasement maintenant. Bon, c'est pas grave. De toute façon, c'était juste pour vous montrer. Hein. C'était juste pour vous montrer le gameplay avec le vaisseau. Qu'est-ce que je peux vous montrer encore? Bah, je crois que c'est tout. Hein, parce qu'après, j'ai pas envie de vous spoiler. J'ai envie de vous laisser parce que sur ce monde-là, ce monde-ci. Alors, sur ce monde-là et ce monde-là, il y a un gameplay très spécial, mais qui est vraiment, vraiment génial. Je vous en dis pas plus. Et ici, c'est le Colisée de l'Olympe, le monde d'Hercule, en fait, c'est là où vous affrontez... c'est là où vous faites, en fait, des tournois. Et aussi, c'est là où vous pouvez battre l'un des plus forts boss optionnels du jeu, à savoir notre ami Sephiroth de FF7. Voilà, voilà. Bah écoutez, bah, je pense que j'ai fait le tour. Hein. Je crois n'avoir rien oublié. C'est clair que j'aurais pas... Alors je sais, j'aurais pu vous montrer le gameplay pour les deux mondes que je vous ai cités. Mais je vais pas le faire parce que je trouve que ça serait gâcher la surprise de découverte pour les gens qui voudraient le faire. Du coup, je vais m'abstenir. Même si ça aurait été bien de le montrer. Voilà, donc deuxième test. Ce test de Kingdom Hearts 1 prend fin ici au Colisée de l'Olympe. J'espère qu'il vous aura plu. Parce que, voilà, hein, tout simplement, moi je suis un grand fan de la série Kingdom Hearts et je voulais faire un test dessus. Mais bon, à l'époque, j'avais pas le matos. Maintenant, j'ai un PC qui, bon, le fait tourner et tout, donc c'est plutôt cool. Voilà, alors je vous dis à la prochaine pour la suite soit de Chain of Memories ou Secret of Evermore, soit peut-être pour un nouveau test. Allez, prenez soin de vous tout le monde, c'était Loïc Kizaé pour Kingdom Hearts, le test. Bye bye.